Délisalcoolémie, application de géolocalisation, le gouvernement a présenté aujourd'hui 14 mesures pour renforcer la sécurité à la chasse et parvenir au zéro accident. D'abord, l'interdiction d'être sous l'emprise de l'alcool ou des stupéfiants. Autre annonce, une plateforme numérique pour localiser les chasses et permettre aux promeneurs d'être en sécurité. L'interdiction de chasser le dimanche, soutenue par presque 80% des Français, a elle été écartée. Aucune journée sans chasse n'est donc prévue. Ensuite, les formations décennales des chasseurs seront renforcées. Il y aura dorénavant une formation à la manipulation pratique des armes et non plus juste un rappel théorique. Enfin, le plan prévoit des sanctions plus sévères en cas d'accident. Certaines mesures ont déjà été critiquées par des partis d'opposition, comme Europe Écologie Les Verts, qui jugent que l'Élysée est trop conciliante avec le lobby de la chasse. Pour rappel, sur la dernière saison, soit entre septembre 2021 et février 2022, il y a eu 90 accidents de chasse, dont 8 mortels. Un nombre en hausse par rapport à l'an dernier, mais en baisse continue depuis 20 ans.